Donc, bonjour, donc, nous sommes au mois de juillet 2012 et nous sommes très heureux d'accueillir Marisol. Marisol qui nous vient directement d'un pays qui nous fait toujours rêver et qui s'appelle l'Espagne. Marisol, donc on a choisi le plat, dit-on, national, la paella. Alors, pour combien de personnes déjà? Mais on va faire une paella pour 12 personnes. 12 personnes, et alors donc on a besoin de est-ce que tu peux décrire un petit peu oui, alors, ce dont on a besoin? Alors cette fois-ci, on va la faire au poulet. Oui. Au poulet et aux fruits de mer. Donc on a choisi deux poulets moyens. Mm-hmm. On a choisi des langoustines, 300 grammes. Mm-hmm. On a choisi à peu près 200 grammes des palourdes, de la sèche. Donc deux sèches moyennes. Deux sèches moyennes belles, blanches. Voilà. On a choisi aussi des moules, mais pas trop, parce que ça risque d'envahir trop le goût de la moule. Elle risque d'envahir trop. Pour 12 personnes, on a environ 15 moules. Là, c'est vraiment pour faire joli, quoi. Ouais. C'est un peu à la déco. Des tomates pour faire le fond de sauce. Pour les poivrons, du jaune, du rouge et du vert, enfin, les trois poivrons qui existent. Et puis les crevettes déjà cuites aussi pour la décoration. Oui. Un peu et plus puis, quand même que 12, 15, hein, une vingtaine. Oui, une vingtaine de crevettes. Vingtaine. Mais c'est juste pour la décoration. D'accord. Du persil. Ah, et puis aussi, que c'est ce que c'est? Alors, c'est les abats du poulet qu'on va faire revenir griller. Et puis pourquoi pas aussi les mettre. Parce que dans une paella, on peut vraiment tout mettre. Oui. Alors, donc, une paella, en fait, il y a autant de paella qu'il y a d'ADN. Dis-moi comment est ta paella, je te dirai qui tu es. Un peu. Et alors donc, est-ce que tu peux nous parler de la paella, justement? Oui, alors moi, la paella, je l'ai toujours rencontrée dans ma famille, c'est les hommes qui font la paella aux femmes. Mm-hmm. Parce que c'est comme ça qu'on dit paella, paraella, pour elle. Mm-hmm. Et en fait, ça vient des agriculteurs qui étaient qui travaillaient toute la journée. Et à la fin de la journée, les femmes venaient les rejoindre à la campagne. Mm-hmm. Et du coup, avec les restes, ce qu'il y avait, les légumes qu'ils récoltaient ce jour-là... C'est un plat d'amour. Ah oui, c'est avant tout un plat d'amour. D'accord. Parce que c'est pour elle. C'était pour elle. La paella, c'est pour elle. Oui, normalement, c'est les hommes qui font la paella. D'accord, oui. Alors, la paella, elle peut être à la viande, donc le lapin, oui. Le canard, oui. Le poulet, oui. Le porc, oui. L'agneau. On peut tout mettre. Après, il y a la différence qu'il y a avec la région de la Catalogne, c'est qu'on peut faire la paella avec des petites pâtes, et ça s'appelle la fideuà. Fideuà. C'est alors, les mêmes ingrédients, c'est qu'au lieu du riz, il y a du fideuà. J'ai oublié quand même. Voilà. Le riz. Des essences, c'est le riz. Oui, c'est le riz. Pour 12 personnes, voilà. On a acheté comment dire, c'est quoi, 250 grammes? Alors, on a pris un riz long des Camargue. Oui. On trouvait qu'il pourrait très très bien aller avec. Mais ça peut être aussi un riz rond. Mm-hmm. Tous les riz vont. Hein. D'accord. Alors, c'est vrai que le moins bien, c'est celui qui cuit très vite. D'accord. C'est comme ça, là, ils ont le temps de prendre le goût des aliments. Alors, on l'a oublié aussi qu'on prenait. Évidemment. Ça va de soi, mais on prend. Avec un la oignon. Tomate, en fait, on fait le fond avec la tomate, le poivron, l'ail, l'oignon et un peu de persil. De safran. Le safran. Mais oui, le safran. Alors, nous avons pris du safran en. Branche. Pistil. C'est des pistils. Et puis en poudre. D'accord. Voilà. Ok, alors je crois que donc nous avons réuni la toux. Ah oui, autre chose, c'est très important, c'est que moi j'ai préparé un courbouillon avec toutes les carcasses, tout le centre du poulet. Voilà, on l'a préparé, ça a cuit pendant 2 heures. Et c'est ce qui va faire aussi notre fond pour l'eau, enfin pour le riz. Ok, d'accord, oui, très important. D'accord aussi. Alors on va commencer à couper les légumes. Un petit dé. Je vais commencer à faire le plat à paella, les ingrédients les uns derrière les autres. À commencer par le poulet parce que c'est le plus long à cuire. Oui. Je vais après à chaque fois remettre dans un plat et réserver. Mm-hmm. Pour le poisson, ça va être pareil pour la sèche. Les couleurs là, jusqu'ici sont jaunes et rouges, mais en fait. C'est bon d'avoir le maximum de poivrons différents, quoi. En fait. Oui, oui. Tu pourrais avoir un poivron vert, quoi. Oui, sauf que le poivron vert, il donne quand même un goût particulier. Ah, donc pour toi, c'est plutôt c'est les plus poivrons oui. Jaunes et rouges. Parce que là, il faut faire attention avec le mélange. Qu'un produit
n'envahissent pas l'autre d'accord. au niveau des saveurs. D'où le nombre plus considérable de moules, alors qu'on peut s'attendre à en avoir plus. Et puis alors, il y a quelque chose qu'il faut aussi évoquer, qu'on a dans le frigidaire, hein, c'est le chorizo, ou le chorizo. Alors le chorizo... Alors ben, non, il n'est pas dans le frigidaire, il était déjà sur la table. Je l'ai sorti. Alors le chorizo, bon, il vient évidemment tout droit des Grenades. Ouais, donc c'est quand même une charcuterie assez fine, de très très bonne qualité. Alors c'est facultatif. Ah, alors toi, pour toi c'est facultatif. Pour moi c'est... Parce que certaines personnes pensent que... Mais je veux dire, une paella, comme me disait l'autre jour un ami, sans chorizo n'est pas une paella. Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'en Espagne, c'est très rare de voir du chorizo dans la paella. Ah oui. C'est les Français qui sont ajoutés ça. Je ne sais pas. Donc le Français a des correctrices. Beaucoup le chorizo. Et le chorizo, alors, est-ce que le Français ne dénature pas par moment le goût? Parce que le chorizo, c'est fort. Oui, alors justement, c'est pour ça que c'est facultatif. D'accord. Et que c'est plus dans un sens de donner de la couleur, une décoration. D'accord. Mais il ne faut pas compter avec ça pour faire de la saveur. Alors c'est sympa, dans l'assiette d'après, il y aurait trouvé un morceau. Alors, il y a quelque chose aussi, si tu ne mets pas le poivron vert, il y a quelque chose que tu ne mets pas... que tu n'aies jamais, c'est le petit pois. Non, je ne mets pas de petit pois parce que je trouve que ça la sucre un peu, puis c'est dommage. Ah, d'accord. Parce que là, ça. On n'est pas du tout dans le sucré salé. D'accord. Mais il y en a qui ne pensent pas à une paella sans petit pois, comme le chorizo. Ah. Voilà, bon. Eh bien, je vais faire un fumé de fruits de mer que je vais mélanger après avec le bouillon de poulet pour faire justement ce liquide qui va faire que le riz il va avoir un bon goût. Marisol, donc oui. La paella, c'est aussi une question de temps. Oui. Alors, par exemple, là, j'ai mon chronomètre. Alors, combien de temps tu fais les choses Eh bien, là, par exemple, comme on se retrouve avec des langoustines avec des différentes tailles, oui. Je vais faire rentrer dans la casserole 3 langoustines, qui c'est les 4 langoustines, qui c'est les plus gros. Et petit à petit, une minute passée à peu près, oui. À peine, oui. Je vais faire rentrer les autres. Alors, j'ai pas pris beaucoup d'eau. Pourquoi? Oui, mais pour faire le fumé, justement. Hein. Ouais. Parce que si c'est avec une énorme liquide, après, t'as plus de goût. Ah, ok, d'accord. Voilà. D'accord. Parce qu'après, il faut pas oublier qu'on va les mettre dans la paella, ils vont cuire aussi un peu. Bien sûr. Hein? Ouais. Là, c'est juste pour récupérer le fumé. Donc, l'eau a bouilli, et puis voilà. Là, on est à 46 secondes, voilà. Donc voilà, tu mets le reste. Et le reste aura un goût. Voilà. Et dès que ça fait 2 minutes depuis le début, tu m'as dit. Quand ça va faire 2 minutes depuis le début, oui, mais là, les dernières seront vécues. Oui, mais ils sont toutes petites. Hein. D'accord. Tu le recouvres, non, même pas? Non, je ne recouvre pas. Voilà. Je salais juste l'eau. Hein. D'accord. Très bien. Voilà. Et tu vois, hein, c'est bon, c'est bon. Oui. Alors, tout ça, dès que ça ouvre, que ce soit les pas lourdes ou les moules, il faut les retirer tout de suite, sinon ouais. Le mollusque il durcit. Alors ça, bon, pour tout à l'heure, on va déjà présenter. L'expression française toute faite, elle a ce qu'elle a d'expression, c'est l'art d'accommoder les restes, la paella, c'est aussi... Absolument, tout ce qui on a apporté de main, eh ben, sert pour faire la paella. Ok, d'accord. Donc là, par exemple, j'avais fait avec la dernière paella, parce qu'il faut dire qu'on en a déjà dimanche. Fait une dimanche, au poisson. Et bien, poisson. Donc, j'avais fait une soupe de poisson après. Oui. Elle sert encore. Voilà, notre bouillon, voilà. Plus tous les restes des carcasses qu'il y avait, ouais. Avec plusieurs sortes de poissons, ouais. Qu'on avait fait infumer, ouais. Et ben, on l'a gardé. Puis aujourd'hui, effectivement, on peut l'incorporer au bouillon pour faire cuire le riz. D'accord. Donc en même temps que je réchauffe le fumet du poisson, je fais revenir les moules et les pas lourdes. Et dès que c'est ouvert, on les sort, hein, on va les mettre des côtés. Bon, alors maintenant, on va mettre le plat à paella sur le feu. Alors évidemment, l'idéal c'est un réchauffe paella. C'est un espèce de truc qui fait la circonférence du plat.
si on n'a pas, eh bien, dans une gazinière, il y a deux feux ensemble, à peu près de la même taille. On la place au milieu et après, pendant que ça cuit, eh bien, il ne faut pas oublier de tourner un petit peu parce que cette partie-là, voilà, okay. C'est important. D'accord. Huile d'olive. Alors, l'huile d'olive pour faire le poulet, comment il est le plus long. Donc, il ne faut pas avoir peur, hein, faut en donner une belle dose. Hein. Ah oui, il ne faut pas avoir alors, peur. Alors, on peut avoir des huiles d'olive de toute nature. Ah oui, d'abord, pour faire la paella, c'est vrai qu'un bon huile d'olive moyen, c'est bien. Ouais, ok. Hein. C'est pas pareil que pour une salade. Et tu vas te faire le poulet, qui est la première chose, parce que c'est ce qu'il y a de plus lent à cuire. Oui, je vais le faire aussi pendant que je cuis le poulet, je vais préparer ma sèche. D'accord. Parce que c'est long à faire aussi. Donc tu commences avec. Voilà, je fais dorer le poulet. Hein. Je fais dorer le poulet. Mais presque cuit, hein, quand même. Hein. Presque. Puisque, mais ça, peut-être qu'on n'a pas précisé, c'est deux poulets. Hein. Deux poulets, on a dit. Alors, tu peux dire aussi comment tu les veux couper, non pas à la française, mais à la chinoise. À la chinoise, qui grévient pareil qu'à l'espagnol. Ça veut dire que le poulet, il est coupé d'un tout petit quartier. D'accord. Très important. Très important. Un petit peu de gros sel. Alors moi la sèche, je la coupe un petit tiré comme ça, un lamelle. Voilà, comme ça. Donc ça, c'est sympa aussi pour la décoration, je trouve plus joli. Bon, la sèche, on n'en trouve pas tout le temps. Hein. Ouais. Donc c'est vrai que ça donne quand même un très bon goût. Ce qui est le calamar. Pas pareil, ça donne encore autre chose. Ouais. Trop fort. Il y a 12 poignées, enfin mon poignet à moi, de riz. Moi c'est comme ça que je calcule par personne. Parce qu'une fois que ça va être cuit, ça va doubler. D'accord. Donc ça fait ça, doubler. Alors tu dis que c'est l'équivalent d'une tasse à café. Une tasse à café. D'accord. Moyenne. Ah, ah bon, une petite tasse. Et parce que dans la paella, il n'y a pas beaucoup de riz. Hein. D'accord. C'est tous les éléments qui font la paella. Voilà, le poulet est cuit. Je fais revenir la sèche. Combien de temps tu fais revenir la sèche? Parce que moi, je dis donc pas trop longtemps quand même, parce que ça a toujours les risques d'être plus dur. Cachoteux, c'est vrai. Alors, dis-moi. Moi, alors, en fait, là, je la fais revenir un petit peu pour qu'il prenne le jus du reste. Même pas un petit quart d'heure. Ok. Voilà l'ail et l'oignon qui a été coupé. Des poivrons. Et tout ce monde, il va cuire ensemble. D'accord. Voilà, j'incorpore le tomate. Alors, je voudrais faire une petite remarque. Donc, c'est quelque chose d'important. Parce que je m'aperçois finalement que depuis le début, je ne suis pas seulement celui qui pose des questions. Je suis aussi quelqu'un qui aide. Et je crois qu'il faut être deux pour faire une paella. Qu'est-ce que tu en penses, Marisol? Oui, moi je pense que c'est une entreprise, comme tu disais tout à l'heure. Oui, voilà. C'est un travail d'équipe. Pas deux. On ne vaut pas de 40. Hein. Non. Mais au moins deux. Parce que voyez-vous, par exemple, tout le temps que les aliments arrivent, je les recouvre de papier translucide, de transparent, pardon, et de façon à ce qu'ils ne s'assèchent pas. Voilà. Et bon, bah, c'est plein de choses, des petites choses comme ça que je peux faire, mais qui permettent justement de faire un peu attention à cette paella qui va être une paella. Parce que comment ça met du temps, la préparation? Voilà. Ça va être encore autre chose. Et il ne faut pas que la cuisinière ait chaud. C'est pas comme la Joconde. Ah ben non. Non. Je vais incorporer les poulets.
là, tu mets le calamar. Voilà, qui est déjà bien moelleux. Hein. Excuse-moi, le calamar, la sèche. La sèche. Oui, parce que le calamar, on a dit que ça avait donné un goût trop, trop fort. Je prends quelques petites tranches de chorizo que je vais faire revenir, mais pas trop, hein. C'est juste pour la décoration. Hein. Ah. Okay, il est très bon, hein. Mais il ne faut pas le faire venir trop, trop, qu'il devienne trop grand. Hein. Le dégraisser un petit peu. Hein. Les pistils. Tu mets les pistils dans le jus de poulet. Le safran en poudre. Ce n'est pas du colorant, hein, c'est du safran. Hein. Ah. Voilà, ce qui va donner ce côté jaune. Voilà. Alors j'ai incorporé tout le jus du poulet, des coquilles, des crustacés. Voilà, et puis je vais laisser ça tranquillement prendre goût au poulet et à la sèche pour remettre après le riz une fois que ça va bouillir pour pouvoir incorporer le riz en pilaf. Un bol comme ceci de riz et j'ai mis du bouillon deux fois ça. Voilà, qu'il est déjà là mon bouillon. Hein. Voilà. Alors je le mets, je l'incorpore en puits. Hein. Normalement c'est un croix, moi je fais une étoile. Et là, on est devant un plat, là, donc du coup, de 12 personnes. Oui. Oui, la taille de la paella, du plat à paella, elle est des 12 personnes. Et à partir de maintenant, on va peut-être compter une vingtaine de minutes et on goûtera. Je pense que l'eau, le bouillon et le riz, ça me semble assez... La quantité me semble bien. En fait, c'est un tableau aussi. C'est ça qu'à chaque fois que tu fais, que moi je t'ai vu l'autre jour le faire également, c'est un tableau. Oui. Tu composes quelque chose. Oui. Et tu composes avec ce que tu as sous la main. Voilà, exactement. Et bien, c'est réellement une artiste. Voilà. C'est vrai ce que tu dis. Quand je dis réellement une artiste, ça peut paraître bizarre, hein. Je m'excuse. Tu es une artiste, pas réellement. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois, comme il faut incorporer les choses différentes petit à petit, tu es obligé de faire quand même une espèce de forme. Ouais. Les répartitions aussi. Hein. C'est quand on la serre, t'as vu combien de fois. C'est très beau, j'adore. Je trouve vraiment très beau. Et je trouve quand même que quand c'est grand, ça se rapproche de quelque chose de pictural. Quoi. Ouais. C'est comme un tondeau, tu sais. Mm. Et toi, tu me parlais tout de suite d'un peintre espagnol que tu aimes. Goya. Alors, je l'aime beaucoup parce qu'il a été très courageux pendant l'Inquisition. Ouais, de faire de belles choses. Hein. De nous faire des scènes. Ouais, mais raconte, parce que tu sais, il y a des gens qui ne savent pas. Tu t'adresses quelquefois à des... Il y avait un film magnifique que Javier Bardem a fait, qui s'appelle Les Fantasmes de Goya. Il a su un peu jongler entre sa peinture et ce qui se passait dans l'Espagne à ce moment-là. Mm-hmm. Intéressant. Ben parce que Goya, c'était un peintre populaire aussi en même temps. Mm-hmm. Il était beaucoup dans des scènes de vie. En fait, si on compte vraiment, on a commencé, il était 7h. Oui. Et il est 21h30 quand même. Mais voilà. Il était 19h. Donc en fait, une paella, c'est le temps d'un long métrage. Presque. Voilà. Alors le chorizo, pourquoi je ne l'ai pas mis tout de suite? Parce qu'il faut qu'il est un peu réchauffé à la poêle. Ouais. Il a tendance à être salé.
Donc il ne faut pas que ça nous sale trop. Et tu sais, je vais te dire quelque chose, moi j'ai souvent goûté à des paella où le chorizo était trop salé et trop présent. Voilà. Tout ce que tu as dit, je retiendrai. Là, il vous fait plaisir en le mettant, mais normalement, je ne l'aurais pas mis. Et ce que je retiens, c'est qu'à chaque fois, tu dis qu'au fond, il ne faut pas qu'un plat soit autoritaire sur un autre. Absolument. Donc c'est une grande leçon, finalement, je vais peut-être exagérer, mais de d'anarchie. Oui, absolument. C'est-à-dire ni Dieu, ni maître, ni pouvoir. Hein? Oui, complètement. C'est pour ça que c'est un plat populaire. Oui. Et c'est un plat aussi, et pour les pauvres et pour les riches, parce qu'avec n'importe quel produit, et n'étant pas très cher, tu peux faire une très bonne paella. C'est blanc. Non, c'est bien, c'est très beau. Donc le chorizo, c'est pour vous, hein, les Français, pour vous faire plaisir. C'est bon. Donc j'ai mis le chorizo vraiment en surface, hein, pour que chacun, s'il en a envie, d'en prendre un. Voilà.